Hello, hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Ici le dernier depuis le Sénégal. Voilà, j'ai vu aujourd'hui pour une petite vidéo concernant le EFI et concernant aussi le SSC, bien sûr. Voilà, avant de commencer, j'aimerais t'inviter à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et à surtout aimer la vidéo et partager la vidéo. Voilà. Maintenant, il est question de quoi aujourd'hui on va parler. Voilà, hein, parce qu'actuellement ça fait des grands débats. Voilà, le EFI, le SSC, c'est quoi, quel est le plus important des deux? Voilà, sur quel on doit se focaliser. Les retraits de EFI aussi, depuis hier, nous ont permis de faire un test pour voir comment essayer de faire des retraits. J'ai même posté une vidéo par rapport à cela sur ma chaîne pour vous montrer, pour vous une vidéo tutoriel au fait, pour vous montrer comment retirer les pièces EFI au cas où ça sera disponible de les retirer quoi. Voilà, donc j'en ai aussi parlé avec certains leaders, on a expliqué dessus, hein. Donc il y a des choses très importantes, hein, qu'il faudra savoir. Voilà, c'est bien vrai que retirer son argent, c'est très important. C'est doux. Quand on te dit viens retirer, c'est doux. Voilà. Donc, tout le monde se précipite pour retirer, au fait. Voilà. Mais bon, avec EFI, ils ont été aussi intelligents. Ce ne sont pas des fous, au fait. Voilà, parce qu'ils savent que permettre à tout le monde de retirer tout ce qu'il a dans son back-office, ce qui ramène à la chute du EFI, du prix EFI. Ce qui est tout à fait normal, quoi. Donc, comme je peux le dire, ils ont de l'expérience. Ils étaient là en 2017. Ils ont vu comment ça se passait. Ils ont vu comment les gens se manifestent lorsqu'il s'agit de retrait. Donc, du coup, ils ont cette expérience-là. Ça, c'est sûr. Donc, par rapport au retrait de EFI, ils nous ont permis de faire un test pour le moment. Et ce test ne concerne que les EFI qu'on a achetés. Hein. Ce n'est pas les EFI que les gens. Parce que beaucoup de personnes me demandent, bon, je retire des EFI, on me dit d'avoir, c'est pas minimum 15 EFI, un truc comme ça. Mais quand tu leur demandes la question, est-ce que tu avais acheté des EFI, ils te disent, non, j'avais gagné un airdrop, un EFI, je sais pas. Sachez que les EFI qu'on gagne par le airdrop, on ne peut pas les retirer actuellement. Ils sont retirables qu'au mois de septembre. Entre août et septembre, voilà, mi-août et vers septembre, ils seront retirables. Voilà. Mais pour le moment, les EFI qui nous permettent de faire le test avec, et qu'on pourra être retiré peut-être chaque mois et avec un pourcentage, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas aussi fous, hein, pour nous laisser retirer tout. Ça, c'est sûr, parce que si tout le monde se met à retirer, ça, c'est la chute, voilà, de l'EFI. Donc, ils vont nous permettre de retirer des pourcentages, peut-être 1%. Je sais pas, voilà. Donc par rapport à cela, ils ont mis une bonne stratégie en place, hein, il faut le reconnaître, parce que la plupart des ICO qu'on a l'habitude de faire ou bien de voir, une fois que la crypto-monnaie est listée et que l'échange est possible, si la crypto-monnaie faisait même plus de 100 dollars à même pas en quelques secondes, en quelques minutes, voilà, elle revient à 0 ou bien voilà, je sais pas, à des miettes quoi. Donc c'est pas intéressant. Et les derniers qui vont venir pour retirer vont perdre. Ça, c'est normal. C'est sûr, quoi. Voilà. Donc, du coup, avec les retraits, il faudra savoir les retraits EFI. Ça concerne que les EFI qu'on a achetés. Mais les EFI que vous avez gagnés en airdrop, ils seront retirables mi-août vers septembre. Voilà. Ils seront retirables. Je crois que ces EFI seront retirables même, je pense que sur la. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation là. Voilà, je crois que ces EFI seront retirables même sur la plateforme EFI.com. Hein. Voilà, c'est ce que je pense. Bon, pour l'instant, on n'a pas de trop d'informations là-dessus. Voilà. Donc, le sujet aussi concerne aussi le SSC. Le SSC, il faudra savoir, hein, tous ceux qui sont dans l'opportunité, il faudra savoir que le SSC, c'est le token de base de Interconnect. Posséder du SSC est plus important que de posséder EFI. Ça, il faudra le savoir. C'est bien. Bon, c'est parce que, comment dire, le SSC, ça prend, c'est sûr de long terme. Voilà, c'est jusqu'en mars 2022.
Mais sachez que sa montée est plus stable. Elle est stable par rapport au FI. Et puis d'ici, vous voyez tous le tableau de prévision des prix. Elle peut même dépasser ce tableau-là, ce prix. Ça, c'est sûr. Elle peut même dépasser ce prix. Voilà. Donc, posséder du FI, est plus pardon, du SCC est plus important pour mon avis. Et puis, je pense que vous allez être d'accord aussi. C'est plus important de posséder du SCC que de posséder du FI. Le FI, nous l'ont permis seulement pour venir parce que le temps qu'on possède, on stack nos SCC, ça va prendre du temps. Une année, c'est pas, voilà, c'est un peu long. Donc, ils nous permettent au fait d'utiliser un deuxième token qui pourra être échangeable peut-être d'ici 1 mois, 2 mois. Le temps de gagner un peu de sous là-bas. Et puis, le temps aussi de pouvoir patienter. Pour nous permettre de patienter le temps que les SCC puissent être laissés et qu'on puisse les échanger aussi. Donc, il y a tout cela qu'ils ont mis en place. Donc, je dis chapeau à l'équipe Interconnect. Lorsqu'on voit leur stratégie, on sait que vraiment, c'est une équipe qui a vraiment de l'expérience. Ils étaient là en 2017, ils ont vu comment ça se passait. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont venues renforcer, il y a des choses qu'ils ont enlevées, et il y a des choses sont venues mettre encore, ajouter. C'est comme ça, quand on gagne de l'expérience, c'est comme ça qu'on avance au fait. Voilà. Et quand on voit leur boulot, on sait que vraiment, il y a des experts derrière, quoi. Il y a des experts. Donc, mon conseil pour l'instant, voilà. J'ai mis la vidéo, comment retirer ça, c'est une vidéo tutoriel pour montrer aux gens, au jour, parce que le jour qu'ils seront disponibles et qu'on puisse retirer les FI, celui qui veut, il retire. Celui qui veut, il laisse là-bas. Si ça prend plus de valeur, il retire aussi. Voilà, chacun est son propre maître. Hein. Voilà, c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, si c'est disponible, qu'on puisse faire les retraits, cette vidéo vous permettra de faire des retraits. Actuellement, avec le test, ça va permettre à tout un chacun de maîtriser l'aspect de cet aspect-là. Comment faire ce retrait? Ne pas se baser sur quelqu'un ou bien attendre quelqu'un pour faire du retrait. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai posté cette vidéo. Et je conseille aussi à tout investisseur hein, d'essayer d'avoir le maximum de SCC. Parce qu'il faut ça, il faudra savoir, les gars, le SCC, ça va exploser. C'est vrai que ça monte un peu, mais il faudra savoir qu'une fois qu'il sera listé sur une plateforme, peut-être sur Binance ou bien je sais pas quoi, ça va exploser du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Donc, il faudra essayer actuellement, le prix est encore bas. Le prix est encore très bas même, je dirais. Profitez-en. Essayez d'acheter plus de SCC possible. Et puis de le garder. Voilà. Les FI, ce n'est pas trop sur du long terme. Bientôt, on pourra les échanger. Après, on va se focaliser sur les SCC. Donc, le temps qu'on échange des FI, essayez de posséder le plus de SCC. Voilà. C'est ce que je conseille à tout investisseur. Hein. Voilà. Parce que Interconnect, c'est un projet qui est lourd, vraiment. C'est du solide, au fait. C'est du concret. C'est du concret. Donc, miser sur le SCC, je pense que ça vous rapportera plus que sur les FI. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour essayer d'éclaircir un peu la chose dans la tête des gens. Parce qu'il y a beaucoup sont actuellement sur le FI, FI, FI. Voilà. Ils oublient le SCC au fait. Alors que le business même, c'est le SCC. Le truc même, la bombe, c'est le SCC. Quand il va exploser, ça va surprendre beaucoup de personnes. Il faut savoir cela. La vraie bombe, c'est le SCC. Elle dort actuellement, mais quand elle va se réveiller, elle va faire mal, très très mal les gens. Très 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 mal. Ça, je vous l'assure. Donc, essayez de revoir. Et puis, concernant les retraits aussi, bon, restez patient, restez zen. Et soyez patient. C'est dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est ça, faites patient. Voilà. Si vous êtes pressé, vous vous jetez à l'eau, faites vos retraits vite, chap, chap. Après, bon, retournez voir que d'autres, ils ont mis le temps, ils ont patienté, que ça monte encore plus pour faire des retraits. Vous allez vous mordre les doigts. Voilà, parce que vous allez dire que voilà, si vous avez peut-être attendu peut-être encore un peu, au lieu de gagner par exemple 1 million, vous pourrez gagner peut-être 5 millions. Donc, ce que je conseille, c'est de rester tranquille. Voilà, c'est pas. Essayez de seulement de savoir comment faire le retrait, comment ajouter son adresse et tout. Et mettre à jour son adresse et FI. Et puis, basta. Hein?
On attend. C'est ça. Il ne faut pas se précipiter. Hein. Voilà. Même les 0,1 qu'on dit de rester, si vous n'avez pas beaucoup de FI, ce n'est pas la peine de faire le test. Attendez que la valeur prenne encore plus. Le FI prenne encore plus de valeur. Voilà, ce n'est pas la peine de se précipiter pour ça. 0,1, bon, c'est pas petit, c'est petit, c'est pas petit. Voilà, parce que ça vaut actuellement 8 dollars, 7 dollars. Donc ça peut encore aller plus que ça. Donc allez-y doucement. Voilà, essayez de voir avec Interconnect. Vraiment, je souhaite que tout le monde puisse être des millionnaires ou des futurs milliardaires. Et ça serait le cas, parce que je crois en cette opportunité. Voilà, je pense que ça serait le cas. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous donner ces informations par rapport au SEC et au EFI. Voilà sur quel miser. Il faut avoir une vision au fait sur cette opportunité. Une vision de milliardaire sur cette opportunité. Il ne faut pas être pressé pour essayer de venir ramasser les miettes après pleurer quand les gens vont ramasser les gros lots. Voilà. Donc voilà, c'est le conseil que je voulais donner, je voulais lancer. Donc je vous donne rendez-vous sur un autre numéro. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et d'aimer la vidéo. Surtout de partager la vidéo pour que tout le monde sache exactement c'est quoi le fond de ce business. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de business là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans ce business. Il faut que tout le monde le sache. Donc je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Je suis le leader depuis le Sénégal. Ciao, ciao.